Salut YouTube, alors on se retrouve aujourd'hui pour ma collection Xbox One. Alors j'ai pas beaucoup de jeux donc ça va être très rapide, j'en ai 21 exactement. Donc pour ceux qui me suivent depuis maintenant plus d'un an je dirais. Vous savez que je suis plutôt PlayStation que Xbox, même si j'apprécie quand même Xbox, c'est pas la question, c'est juste que j'ai plus l'habitude sur PlayStation. Donc je ne garde que les exclus Xbox. Donc sur la One, il n'y en a pas eu des masses. Une fois qu'on a fait les Gear et les Halo, il n'y a plus énormément de choses. Donc le peu que j'ai, ce sont des exclus Xbox. Voilà. Alors c'est parti, on attaque, hein. Donc du coup, premier jeu, alors le Crackdown 3, voilà. Donc du coup, comme j'en ai pas beaucoup, je peux m'attarder un petit peu sur les jeux par rapport à d'habitude où je vous en présente 150 d'un coup. Crackdown, j'ai jamais essayé celui-ci, je crois qu'il a pas été acclamé par la critique. On m'a tout le temps dit qu'il était pas terrible. Donc à voir, mais j'en ai jamais fait un. Je crois que je possède le 1 et le 2 sur les autres consoles Xbox. Je crois que le 1 c'est sur Xbox première génération et le 2 sur 360, mais je suis pas certain. Pareil que c'est cool, j'ai jamais testé, ça a l'air d'être du FPS où on voit le personnage, je sais plus le nom. Monde ouvert et dangereux. A voir, ça peut être cool. Ensuite, Dead Rising 3. Voilà, je crois qu'il existe une version un peu plus complète de celui-ci. Je la possède pas. Donc le Dead Rising 3, c'est le seul Dead Rising qui est exclu sur Xbox. Si on en met que le premier était exclu sur 360, il est ressorti sur PS4, mais aux US, je crois qu'on peut le télécharger chez nous. Sur PS3, je crois qu'ils l'ont pas fait, mais ils ont fait le 2. Et ils en ont fait un sur la Wii, qui est pas génial apparemment. Un espèce de... c'est pas le remake, mais c'est le même en différent. C'est la même histoire, mais le gameplay est pas le même. Voilà, Dead Rising, j'ai fait que le 1. Je me mettais aux autres, mais du coup j'ai le Dead Rising Collection sur 360, mais ça me plaît pas parce que j'ai vu qu'ils avaient refait Dead Rising 1 et Dead Rising 2 sur. Je crois qu'ils sont sur Xbox One aussi et sur PS4, donc en version US et Jap. Donc j'aimerais bien les récupérer sur ces consoles, enfin sur PS4. Voilà pour Dead Rising. Gear of War Ultimate Edition, je sais pas si c'est du code, ça a pas l'air. Voilà, donc je sais pas ce que ça contient de plus. Vous offre un accès à l'avant-première à la version bêta de Gear of War. Ok, bon les couilles. Voilà. Gear of War, j'ai déjà essayé vite fait avec mon cousin, mais à deux, c'était un peu chiant à jouer. Mais sinon, ça a l'air sympa. Ça m'a fait penser un peu à Résistance, pour ceux qui l'ont fait. C'était un peu le concurrent sur PlayStation. Je vais les prendre sur moi, ça sera plus simple. Hop. Ensuite, Gear of War 4, voilà. Je dois avoir le 2 et le 3 sur la 360 aussi. Donc le 4 sur 4 jeux bonus. En plus, il contient les 4 premiers, mais ça doit être un code, ça encore. Collection Gear of War pour 360 à utiliser sur Xbox One. Il y a une petite étoile, donc je pense que c'est un code. Ouais, il y a des autocollants dedans. Voilà. Et à mon avis, télécharger le jeu complet depuis le marché Xbox Game de Node. Ouais, c'est ça, il y a des codes. Alors, je sais pas s'ils ont été utilisés, mais il y a tous les Gears, du 1 au Judgment. Je les ai tous sur 360, moi. Donc, au pire, si je peux pas les télécharger, je pourrais toujours les jouer directement sur la One. Donc, ça me changera pas grand chose. Voilà, ça, c'est un des bons points par rapport à la PS4 de la One. Je trouve que la One X est mieux que la. Même si je suis plutôt PlayStation, je trouve que la One X est meilleure que la PS4 Pro. Bizarre pour l'interface pourrie que de chez Xbox que je n'aime pas. Mais sinon, graphiquement, elle est plus belle. Je trouve, enfin, c'est quasiment kiff-kiff. Il n'y a pas grand-chose, mais je trouve que c'est plus mieux. C'est plus mieux. Et elle fait pas de bruit. Elle est silencieuse. La PS4 Pro, c'est une horreur. Il faudrait que je change ma pâte thermique. Ça fait un moment que je le dis, mais c'est un truc de fou. Quoi, le truc. C'est un aspirateur. Donc ensuite, le Gear 5. Celui-ci, j'avais dû l'avoir pendant les soldes, je crois. Je ne me rappelle plus. Mais je crois que les Gears, il existe encore des versions améliorées aussi. Le Halo Wars 2 Ultimate Edition. Voilà. Donc l'Ultimate Edition contient le Season Pass Halo Wars 2. Nouveau combattant, nouvelle unité, nouvelle carte et mission de campagne additionnelle.
Et Halo Wars Definitive Edition, version remasterisée du jeu d'origine avec des graphismes améliorés et tous les contenus additionnels inclus. Et je sais plus si c'est un code, si ça doit être un code aussi celui-là. Et je l'avais en 9 sous blister, pourquoi je l'ai pas gardé, du coup je suis con, non ? Je sais plus. Bon bref, c'est pas très grave. J'avais fait un Halo Wars, c'est du jeu de stratégie normalement. Ça peut être sympa. Halo 5. Alors celui-ci, bah du coup je l'ouvrirai pas parce que quand j'ai acheté ma Xbox One S, parce que j'ai une S et puis j'ai une X, il était offert en code de téléchargement ou préinstallé je crois. Donc du coup bah je l'ai terminé, donc bah il restera sous blister pour la collection. Voilà. Ensuite Killer Instinct Definitive Edition, très très bon jeu. Je l'ai pas terminé, je me suis juste amusé un peu dessus, mais j'ai pas, je me suis pas mis sérieusement dedans, il faudrait bien que je m'y mette. Super jeu en tout cas. Je crois qu'il y a un code pour un personnage, oui c'est ça. C'est un costume. Pour l'édition spéciale costume Gold Gargos. Donc c'est un des boss de l'époque. Je sais pas si c'est pas le. Non, c'est pas lui le boss de fin. Oh, je me rappelle plus c'est qui le boss de fin. Donc la définitive édition, c'est pas un code, c'est tout sur CD, donc vous pouvez l'acheter d'occasion. Juste vous aurez pas le code du déguisement là, mais c'est pas super grave. Très très bon jeu de baston. Le but c'est de faire le maximum de combos. C'est un peu dans le même esprit que Mortal Kombat. Voilà. Donc il y a 26 personnages, 20 arènes. Et en plus vous avez le Killer Instinct classique 1 et 2. Donc celui de la 64 et celui de la Super NES. Du coup moi je me suis séparé de mes jeux rétro puisque je les avais là. Et puis je les ai sur un autre jeu que je vais vous montrer après. Ensuite, celui-ci, j'en ai chié pour l'avoir. Je l'avais payé un petit peu, je crois. J'ai dû le payer une trentaine d'euros, je sais plus, ou 25, enfin bref. Ori and the Blind Forest Definitive Edition, ils l'ont refait sur la Switch, mais je crois qu'en Europe, il n'existait pas sur en boîte sur Xbox. On peut l'avoir que en version anglaise ou US, je sais plus si c'est une version ou quoi, celui-ci. Voilà, mais normalement, les consoles ne sont pas zonées, donc ça passe. On m'en a dit que du bien de ce Ori, donc il faudrait bien que je m'y mette un de ces quatre. Celui-ci, je crois qu'il commence à côté un petit peu, mais je suis pas certain. Voilà. Le 2. Ah, je pensais que je l'avais sous blister. Non. Il a pris la poussière. Le 2, bah pareil, il faut que je le fasse. Hein. Voilà. J'ai mon collègue et ami maintenant, Ludo, qui les a terminés récemment et qui m'en a dit que du bien. Voilà. Donc ça, c'est exclusivité, entre guillemets, Xbox One, qui est désormais fait sur Switch maintenant. Donc c'était une exclusivité Xbox One, c'en est plus une. Mais bon, je préfère entre la Switch et la One, je préfère la One. Quantum Break, voilà. Je crois qu'il contient Alan Wake, ouais. Téléchargement du jeu complet Alan Wake, ouais. Donc il y a Alan Wake dedans. Par contre, je l'ai aussi sur la 360, Alan Wake, parce que du coup, il va avec mon pack Xbox, qui est là-haut, je crois, non. Ouais, il est à l'étage. Alors. Je pensais qu'il était sous mon étage. Du coup, au pire, Alan Wake, ils l'ont refait sur PS5, PS4 et 5, je crois. Donc, je pense que je le referai peut-être sur ces consoles-là, on verra. Mais pareil, il paraît que c'est super comme jeu, ça. Et j'étais persuadé que Quantum Break, c'était une soluce, mais apparemment... une soluce, qu'est-ce que je raconte, moi. J'étais persuadé que Quantum Break, c'était une suite de Alan Wake, et apparemment, non. Donc, voilà. Ensuite, ça, c'est un super jeu, Rare Replay. Donc Rare Replay, c'est une compilation de jeux rares, donc il y a 30 jeux. 30 jeux, donc vous avez Battletoads, vous avez Killer Instinct 64 là, Killer Instinct Super Nintendo. Ah bah tout est marqué là, ce sera plus simple. Vous avez alors Attic Attack, Banjo-Kazooie, Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, Banjo-Tooie, Battletoads, Battletoads Arcade, je l'ai fini celui-ci, il est génial. Blast Corps, Cobra Triangle, je sais plus lire, Conquer Bad Fur Day, quand on voit le prix qui coûte, vaut mieux peut-être l'avoir dans cette compilation. En plus, vous pouvez jouer sur console next-gen, entre guillemets, maintenant. Diger T-Rock, Grabbed by the Ghoulies, Gunfight, Jet Force Gemini, Jetpack, Jetpack Refueled, Cameo Element of Power, Killer Instinct Gold, donc en plus la version Gold. Il y avait un ou deux personnages en plus. Nightlore, Lunar Jetman, Perfect Dark Zero, qui sont super bien. Bah au moins le Perfect Dark, peut-être pas le Zero. RC Pro Am, je sais pas ce que c'est. RC Pro Am 2, Saber Wolf, Slalom Snake, Rattle and Roll, Solar Jetman, Underworld, je sais pas comment on dit ça. Underworld, avec un U.
Viva Piñata qui est un très bon jeu. C'est vraiment, j'ai adoré. Et Viva Piñata, Trubin Paradis. Donc voilà, très très bonne compilation. Et en plus, c'est pas des codes de téléchargement, c'est tout sur CD. Franchement, si vous l'avez pas, ça doit coûter 15-20€. Foncez parce que vous n'allez pas être déçus. Très très bien. J'ai vraiment bien aimé. Voilà. Ensuite, Record Definitive Edition. Celui-ci, je l'ai eu au Leclerc Occasion près de chez moi. Donc en fait, il n'y a plus trop de soldes dans le Leclerc Occasion, mais ils foutent tous. Enfin, dans le Leclerc normal, il n'y a plus trop de soldes. Par contre, tout ce qui va en solde, ils le foutent à Leclerc Occasion. Donc voilà, quand vous voulez faire les soldes chez nous, vous allez au Leclerc Occasion, c'est plus rapide. Donc très content de l'avoir chopé à ce prix-là, je l'ai eu à 7€. Voilà. Et moi j'avais la version normale, donc au mieux avoir la Definitive Edition avec tout inclus dedans. Jamais fait, il paraît que c'est sympa ce petit record là. Ils ont pas beaucoup d'exclus, mais ils en ont des sympas quand même. Ensuite, Rise, Son of Rome, pas fait. Il paraît que c'est pas exceptionnel. C'est un jeu d'arène, je crois. A voir. Par contre, il y a une version améliorée aussi de celui-ci. Ensuite, Sea of Thieves, ça il paraît que c'est cool. Et je crois qu'il était gratuit ce jeu là, je suis pas trop sûr. Pas fait, mais ça a l'air sympa. Entre navigation, bataille, exploration et pillage, mettez-vous dans la peau d'un véritable pirate, goûtez à la liberté dans un monde multijoueur rythmé par des affrontements en pleine mer et regorgeant des trésors enfouis et d'épaves anciennes. Parfait. Mais requiert un abonnement, ça se trouve, c'est jouable que en ligne ce truc-là. Après, je crois que j'ai des abonnements quelque part dans des boîtes à télécharger, donc ça peut m'arranger. State of Decay, faudrait bien que je le fasse celui-ci. Year One Survival Edition contient le jeu entièrement remasterisé en 1080p, pack d'extension Lifeline et Breakdown et plus encore. Je crois que c'est pas sur code, ça doit être sur, tout sur le CD sur celui-ci. Les bonus. Chpof, ouais, à mon avis c'est sur CD. Parfait, donc c'est un jeu de survie avec des espèces de zombies ou d'infectés. Graphiquement ça a pas l'air foufou, mais si le jeu est bien, peu importe. Donc à voir, faudrait que je l'efface, cela serait un moment que ça me titille. Donc à voir. Ensuite, State of Decay 2, donc la version édition ultime. L'édition ultime complète, le téléchargement du jeu complet, State of Decay. Bah du coup j'ai le 1 dedans. Ok. Bon bah j'ai le 1 et le 2 dans le même jeu quoi. Donc je prendrai celui-là, puis l'autre je le garderai juste pour la boîte. Ok. Bon après c'est pas plus mal quand ils font ça des fois. Téléchargement du jeu complet avec un accès anticipé de pack d'extension. C'est cool ça. Bon bah vous saurez, ceux qui veulent la version ultime sous blister, vous avez le 1 et le 2 inclus. Et est-ce que c'est des codes? Je sais pas. Je savais pas. Ensuite, Sunset Overdrive. Ça, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un espèce de jeu de flingue. Monde ouvert, tout est permis. Bienvenue dans Sunset City. La ville est énorme. Terrain de jeu est un énorme terrain de jeu. Sauter d'immeuble en immeuble. Glisser le long des rampes et des lignes électriques pour éliminer vos ennemis à pleine vitesse. Ouais, ça peut être sympa. Je pense que c'est un jeu... comment on dit, un espèce de battle arena là. A voir, ça peut être sympa. C'est pas les jeux de mes jeux de prédilection, mais ça peut être cool. Super Lucky Tales, voilà, je crois que celui-ci ils l'ont refait sur la Switch en version un peu améliorée. Donc petit jeu d'aventure type Spyro et compagnie. Voilà, c'est toujours sympa. J'aime bien ce genre de jeu là. Ensuite, on arrive à la fin, Titanfall, bon celui-ci tout le monde le connaît, il s'est fait allumer par la critique je crois, on le trouve à toutes les sauces, à rien du tout, il a même été chez Noz. Je l'ai repris sur la One, faut que je l'efface. On m'en a dit du mal, on m'en a dit du bien, donc à voir, et je crois que c'est les réalisateurs de Call of War, c'est marqué. Conçu par les développeurs de la célèbre franchise Call of Duty, voilà, donc Titanfall. Et enfin, Zoo Tycoon, donc idem, je l'avais chopé dans mon Leclerc Occasion, donc c'était une solde qu'ils ont ramené dans le Leclerc Occasion. Je l'ai eu à 15€ et celui-ci coûte un peu de sous. Il est assez rare, surtout sur la 360, il monte à 20, 25, peut-être même 30€. Par contre, vous n'avez pas cette version, c'est une version pas améliorée. Celui-ci, c'est la version GOTY, je crois. Ultimate Animal Collection. Donc, s'il ne m'avait pas collé des étiquettes partout, je pourrais vous dire ce qu'il y a de plus. Mais en gros, il y a des trucs en plus, quoi. C'est la version complète, quoi. Alors, j'adore les Zoo Tycoon. J'ai bien aimé ceux sur PC. Moi, je l'avais fait, j'avais craqué le jeu à l'époque, Zoo Tycoon 2. J'avais adoré, c'est un système de gestion, vous devez gérer votre zoo, donc il faut que les gens soient contents, faut que les animaux leur plaisent, faut soigner les animaux, nettoyer leurs enclos, leur mettre un bon environnement.
Et les gens, quand ils viennent, il faut qu'ils aient à manger, il faut qu'ils aient des toilettes, il faut qu'ils aient de la distraction, qu'ils aient de bons accès à vos parcs, à vos enclos plutôt, etc. etc. Il faut que l'entrée soit pas trop chère, mais il faut quand même qu'elle soit à peu près chère pour que vous gagniez votre pognon. Enfin, c'est tout un jeu de gestion vraiment bien ficelé. J'avais adoré. En plus, je crois qu'à l'époque, quand j'avais craqué, j'avais mis les dinosaures. Enfin, j'avais réussi à avoir un pire truc. Parce qu'on pouvait, il y avait aussi là, avec les animaux marins, etc. Très 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 bonne licence. Je crois que je les ai sur DS. Et du coup, je me suis dit super, ils en ont refait un nouveau sur console nouvelle génération. Ça va être trop bien. Et j'avais commencé et j'avais pas été super emballé. Après, peut-être qu'à ce moment-là, c'était pas le genre de jeu qu'il me fallait. Il y a des fois des périodes où on a envie de jouer à tel ou tel jeu. En ce moment, j'ai envie de jouer à des jeux d'épée. J'ai fini sur Cyberpunk. Alors, me demandez pas pourquoi. Enfin, si, parce que Conan Exiles, c'est une daube. Du coup, j'avais commencé Conan Exiles et puis j'ai fini sur Cyberpunk. Mais enfin, voilà, tout ça pour dire qu'on a des jeux auxquels on a envie de jouer par moment. En ce moment, je pense que quand j'aurai fini Cyberpunk en 2077, s'il est assez long, je pense que je prendrai un jeu soit un beat'em up linéaire à l'ancienne ou soit un jeu d'épée type RPG. À voir. Enfin bref, c'était ma petite parenthèse qui est toujours un peu longue. Voilà, donc c'était tout pour ma collection Xbox One. J'espère que ça vous a plu. C'était très court, je vous ai dit, j'ai que des exclus, donc il n'y a pas grand-chose. Je crois qu'on a fait le tour de tous mes jeux, de toutes mes collections. Après, j'ai eu des trucs entre-temps, mais vous les voyez dans les rentrées des mois. On a fait Sega, on a fait Nintendo, on a fait PlayStation, on a fait Xbox. J'ai pas d'Atari parce que je suis pas fan. J'ai pas de je sais pas, de Aurig, de Commodore, tout ce qui est antérieur à la NES, je suis pas fan non plus. J'ai pas de Neo Geo non plus parce que je suis pas riche. Et puis beaucoup de jeux sont sortis sur console d'aujourd'hui, donc PlayStation 4, ils ont fait beaucoup de compilations, donc on peut les avoir directement là plutôt que de les payer de blind. Donc bah voilà, bah, vous avez fait le tour de toutes mes collections. Donc maintenant, bah, il reste plus qu'à me suivre de temps en temps quand je fais des vidéos. J'essaierai de trouver des sujets qui vous intéressent, que quand je me casse les pieds à faire un sujet, ben, je trouve que vous n'êtes pas super emballé. Donc c'est pas motivant parce que ça prend du temps. C'est ce que je disais déjà dans ma dernière vidéo, je rabâche. Donc ben, je sais pas où la chaîne va aller, on verra bien. Pour l'instant, il n'y a plus de vide-grenier, donc je ne peux pas vous faire de vidéo VG. Donc je sais pas, je trouverai des idées au fil du temps. Voilà, c'était tout pour ma collection Xbox One. Salut!